D'ailleurs, combien de pouces bleus pour le prochain épisode, pour le 14? Faut combien là de pouces bleus, les copains? Moi je dis 20 000. Bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour un nouvel épisode de Brawlanta, épisode 13, avec doublage des récompenses des paliers, 7 épreuves, 7 nouvelles épreuves qui seront expliquées chacune avant chaque game. Bien sûr, cette série est en collaboration avec Farce Attack et Blaroz, vous allez leur chaîne en description de vidéo. Pensez aussi à checker l'Instagram BFACOC parce qu'il y a des petits afters, vous pouvez voter aussi pour les malus sur les compétiteurs. Et on va finir aussi dans cette vidéo avec l'opening de toutes les boîtes qui avaient été gagnées au fur et à mesure des paliers gratuit et payant. Voilà les amis, on est parti avec nos invités. Comment ça va mon petit Blarod? Je vais très bien et je vais gagner parce que il faut gagner un jour. Parce qu'il faut gagner un jour. Et on a aussi un petit Farslanta. Comment ça va malgré ton torticola? Bah écoute, blessé, mais on va essayer de rivaliser. Hein. Il est blessé, du coup Malus Farce Attaque, qui n'a pas pris soin de sa santé. Exact, Blarod, tu voulais dire. Oui, alors à propos des malus, effectivement, Malus Blarod s'est revenu plus que les autres. Donc Blarod aura un malus, ce qui veut dire qu'on choisira un brawler pour lui sur une épreuve, même si c'est un petit farceau, donc tu me diras quand ça te chauffe. Et donc okay. Petit récap avant de commencer l'épreuve numéro 1, vous allez voir que les épreuves ont été complètement grosse refonte des épreuves, donc gros pouce bleu. D'ailleurs, combien de pouces bleus pour le prochain épisode, pour le 14? Faut combien là de pouces bleus, les copains? Moi je dis 20 000. 20 000. Et moi je dis 21 000. Et lui il dit 20 000. Et moi c'est quoi? Et ben moi je dis 21 001. Bon, on a fait les gamins. Du coup, moi je suis, alors comme vous le voyez, palier 25, ça fait pas lourd. Blarod est combien? C'est 40 vrai? Combien? Ouais. 40. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte 25? Non, pardon, c'est les récompenses, Je suis palier 38. J'ai eu peur. Je suis palier 38 et vous êtes palier combien? 48. Et moi je suis 49. Non, 45. Alors ça fait une semaine que j'ai pas touché. Ah si, alors attendez. Bon, moi je vais quand même mettre le code créateur BFA dans la boutique parce qu'on va, ouvrir des boîtes après et on va peut-être gemmer. Donc tout ça, les paliers. Du coup, le code créateur qui soutient bien. Et on est. Voilà, petit pouce bleu. Voilà, donc voilà, on est parti pour l'épreuve numéro 1 en Razia 2GM. Alors les copains. Choisissez un brawler. Ah non, aléatoire. Donc, okay. Ah, choisissez aléatoire. Ouais, c'est aléatoire. Je me disais. L'épreuve. C'est aléatoire. Oui, c'est aléatoire. Et là, il va falloir. Il va falloir être la perte. Donc, faut gagner. Et il faut. Il faut avoir le plus de gemmes à la fin. C'est-à-dire que si par exemple, moi j'en ai 8 et eux ils en ont 1 et 1, c'est moi qui gagne. Donc, ça c'est important. Et si on perd, à ce moment-là, on regardera comme d'habitude le star player d'en face qui, voilà, qui tranchera cruellement la chose. Alors là, je vais tourner la roue pour moi-même direct parce que là je suis sur mon onglet. Excusez-moi, mais je tombe pour moi. C'est pas très poli. Ça va être si dur quand même. Et je tombe sur Penny. Voilà, donc je prends ma petite Penny. Alors, Penny, je sais pas si c'est foufou, mais voilà, on n'est pas là pour faire du dégât. Si, c'est bien. Ok, pour aller chercher des gemmes, on va tourner pour Farce. Farce, tu vas avoir un petit ricochet. Voilà, tu vas pouvoir faire du dégât. Un petit cool. Franck. C'est mon brawler, non, un petit ricochet. Et là, l'autre, il va primo, on est dégoûté. Et là, ah purée, j'ai failli être dégoûté, mais je suis quand même dégoûté. Il a quand même Daryl. Blarod, il a Daryl, ce qui est plutôt un temps qui est plutôt pratique pour aller chercher des gemmes. Il se passe quoi si on la perd en fait? Alors il se passe quoi si on la perd? C'est ça, c'est ce que j'ai dit avant, tu n'as pas écouté, bravo. C'est le star player homologue par rapport à mon écran. D'accord. Si je suis en position 2 dans l'écran et que le mec il est star player en position 2, c'est moi qui le prends. Yes. Ah non. Yes. Mais non. Ah oui, c'est vrai, il faut prendre des gemmes, j'ai oublié. Ok. J'ai une stratégie. Non mais viens, viens. On la joue pas celle-là, on va au camp. Oh mec, je me suis fait chier. Ah purée, mais je perds mes gemmes. Ouais, non mais au pire. En fait, regarde ce qu'il fait, celui qui aura le plus de gemmes. Je sais pas, on avait pas dit ça. Quoi? J'ai pas pu passer à travers la rivière. What the fuck? Attends, mon mortier la volte. En fait, faut pas tirer. Bien que je suis tellement habitué à jouer une game normalement, que là, il faut pas... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh non, vas-y, laisse-toi mourir, Farce. Ouais, Farce, je te laisse aller devant. Hein. Attends, mais je veux pas tirer, en fait. Y a une Jackie, vas-y.
Non, vas-y, pas non. Trop quand même. Et pour l'instant, je gagne. Ouais, pour l'instant, il est bien. Ah, il est parti là prendre. Allez, le tonneau. C'est quoi, moi, focus ouais, moi ouais. Même focus vrai, moi. Okay, récupère, okay. Récupère les gemmes. Ah, c'est moi, pardon. Ah, mec, je me confonds avec toi. C'est incroyable. Je pensais que j'étais là. Je te disais récupérer, en fait, c'est moi, Penny, mec. Je suis pas habitué. Oh, c'est terrible. Là, okay, c'est chaud. Alors là... Je vais leur donner des gemmes. Mais faut qu'il aille mourir, en fait. Non, force, pas d'anti-jeu. Ouais, va leur donner des gemmes. Et non, oh, c'était nice. Un bait. Vas-y, va mourir. Ah, mec, t'as six. Mais Farce, t'as 6 gemmes, tu perds. Mais farce, laisse-toi mourir. Laisse-moi... Non, Farce. Mais oh là là, c'est de l'eau qui fait, vas-y. Laisse-toi mourir, ah, c'est compliqué. Oh oui, tu m'as devant moi. C'est bon, récupéré. Oh là là, le retournement de situation. Vite. Oh mon dieu. Oh, non. Oui, repartez, vite. Vas-y la petite. Oh non, il roule sur les gemmes. Oui. C'est quoi cette épreuve? Oui. Ah non, là par contre on est mal. Bon bah parce c'est que, là. Oui. Non mais venez, faut pas le défendre en fait. Il est là. Venez, regardez à ma droite, il est là. Là, ici, là où je suis, là. Moi je quitte ici, cette vidéo, là. Moi. Ici, oui. Il est là. Oh non, non yes. Siri. Attends, yes. Excusez-moi, il y a Siri qui s'est lâché. Mais je pense que Darin, tu sais que c'est le meilleur brawler pour cette épreuve en vrai. Oh là là, je bien sûr. Alors, je l'ai précisé, je pense, en pré-intro, mais du coup, c'est x2. Double palier, hein. Exactement, double récompense, ce que je voulais dire. Du coup, double récompense, c'est des épisodes x2, donc du coup, la récompense était de 1 palier, elle devient x2, bien joué. La Rod qui s'envole un peu plus près de la victoire. Palier 50. 3, 2, 1, lancé, c'est parti. Le premier qui gagne avec ces deux randoms, la partie. Allez, go rocher. Allez, c'est parti. J'ai faut pas rusher justement. Enfin, non, je vais pas vous donner des conseils, mais. Oh non, je suis trop bête, j'ai pris le mauvais brawler pour ça. Oh purée, non. C'est parti, déjà un 0 pour moi. Bien joué, moi j'ai. Ah là 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 là, je suis empressé, c'est pas bon. Ok, 1-0. Ah, ils ont déjà un 0. Ouais, moi je suis pas bon. Hein. Brawler, en bois. Non, on voit pas le ballon. Ah bien en plus, purée, non seulement je fais pas, mais c'est 1-0 contre nous en plus, okay. Donc c'est terrible. Oh purée mec. Oh oui. Il lâche pas le bras là. Mec c'est la catastrophe gros. C'est la bon, catastrophe. Gagné. Ah, bah, non t'es sérieux? Ouais. Quel dommage. Ouais j'ai pas dit, je sais pas pourquoi j'ai pas tenté. Je suis mort mec. Mec non seulement, mec elle est perdue la game. On a perdu la game. Là. Mais pas, si c'est le premier qui perd. Et attends. Et je crois que j'ai un palier. T'as un palier tombé du ciel ? Bah, je vais vous j'ai dire. Un palier tombé du ciel. Bah, je vais vous dire, ce Brawl Hunter, c'est que dans saison mon épisode, 1 pour moi, c'est j'ai compté une au catastrophe. Montage, t'en as eu 2 au total. Ah ouais. Bah, vas-y, bah là, alors... j'en achète 2 alors. Ouais, bah, du coup, double palier pour toi. Oh. Et du coup, on va passer maintenant à peu près la même chose, mais en survivant. Je suis 48. C'est celui qui gagne en premier. Ça y est. Ah, là, c'est caverne bouillonnante. Ouais. Il reste, j'espère bon. T'as pris un bar tabac. Il reste 3 brawlers. Non, j'avais pas vu ça. Bon, il me reste plus de 3 brawlers dans la partie, dit. C'est pas mal. Quoi? Allez, quoi finale. Pourquoi tu mens? Ça y est, gagné. Et voilà. Non! Putain, y'a quelqu'un là, j'ai vu quelqu'un ici. Pas comme ça, Zinedine. S'il te plaît. Ah, mec, qu'est-ce qu'il fait camper ici celui-là? Incroyable. Ah, je vais peut-être mourir. Ah non. Okay, ça pourrait être cool. Oh, je vais mourir. Ça serait nice. Non. T'es mort. BFA gagne. BFA gagne. Ah bah tiens, là on est pour moi hein, quand je suis bon dernier. Hein. Attends, en mode c'est quoi, je vais farm. Je vais farm. Non, BFA, rush. Je farm. Je mets bien. BFA, tu veux gagner ou pas? Bah ouais, mais je sais pas, mais là je vois rien dans cette caverne bouillonnante là. Attends, y a ouais, puis attends, il y a Shelly, ça peut faire mal. Ah là, je vais aller chercher. Ça qui fait pas plaisir. Oulala, il fait mal. Bah, j'ai perdu. Perte de coup en fait. T'as perdu, perte de coup. Ah, ça c'est. Attends, je gagne comme ça. C'est moche, hein. Parce que là, on va dire, BFA, il est pas capable de gagner à la loyale. Bon, que. Waouh. Je suis mort aussi, mais bon, top 4. Ouais, c'est toi qui as gagné, quoi. Il y a un niveau catastrophique. Au moins, c'est BFA qui a gagné, moi, ça me va. Donc, ça me fait double palier. Bah, ça fait plaisir, ça, un double palier. Et moi, ils tombent jamais du ciel, les paliers, moi. Moi, je suis obligé de les payer plein pot, moi. On est d'accord ? Ok. Vous êtes horrible. Ah, ça va, frérot. T'as plein de.
T'as plein de paliers, mais... moi je sais même pas quel ouais, est ça, tous ces paliers. Farce, il est à une épreuve de moi. Alors attends, c'est vrai qu'il faut... Vas-y, BFA. Fais le taf, là. Je sais pas s'il faut que je les tue ou pas. Ah oui, c'est meilleur buteur, alors attends. Si, vas-y, mais BFA. Oui, regarde, là, Farce, il va marquer. Non, salut. Non, il va pas marquer. Ok, oh, ouf. Eh, BFA, alors, joue contre moi, les amis. Hein. Bah, je joue pour moi, en fait. Attends, moi, je vais vous laisser un peu les gens, là. Attends, c'est horrible, cette façon de jouer. Attends, faut que... Ouais, c'est horrible. Attends, je vais régène. Si je peux. Et voilà. Oh non, BFA, t'es trop loin. La stratégie. Ah non, c'est bon, je pourrais jamais rentrer. Bah, je pourrais jamais rentrer, t'es fou, quoi. Ok. La stratégie du Max, avec Max Energy qui a fait la différence. Ok, heureusement, je pense que c'est pas joué. Ok. Là, par contre, il va quand même falloir défendre. Ouais. Après, je m'en fous, moi, s'il marque, moi ça me va parce qu'encore une fois, c'est meilleur buteur. Donc, si on prend 2-1, je suis vainqueur, moi ça me va. Hein. Ouais, c'est donc, c'est y a pas de problème. Hein. Oh oui, kiff, kiff. Vas-y, Anita. Débile, ça, mais j'ai tenté un coup de shot. Reviens. Vas-y, Anita. Après, 1-0, c'est bien en vrai, un peu temporisé comme ça, tranquille. Hein. Ouais, j'ai envie de les laisser gagner. Ah, mais ouais, non, mais même. Mais non, si tu les laisses gagner. Voilà, la Rod. Oh là, faut pas qu'il fasse son. Non, merci pour la passe. Je suis débile. Oh non! Oui. Mec, il s'est mis devant mon tir. J'aurais dû rentrer. Du coup, C'est Shifumi. C'est Shifumi, purée, c'est terrible ça, le Shifumi. Oh là là, purée, il va pas gagner le Shifumi. Je l'avais mérité tellement là. Est-ce qu'il y a un palier tombé du ciel là ou pas? Peut-être pas, je sais pas. Non, ok, non. Farce, tu fais le décompte? Ok, ben je dis à 3, 2, 1 et à au go. Vas-y. Vous dites, ok. 3, 2, 1, go. Ciseaux. Pierre. Ah ouais, non, il décollage quand même. Il est giga décollage quand même. Moi j'ai pas entendu ce que j'ai. Moi j'ai même pas entendu ce que t'as dit. La tête de tata, j'ai dit, dit quoi? Il a dit. Il a dit quoi? Il a dit feuille. Il a dit feuille? Non, il a dit. Tu me dis quoi toi? Non, j'ai dit. Non, bah, moi j'ai dit Pierre moi. Pourquoi oui, on refait j'ai des ciseaux, t'as dit après mon mot, genre... Bah arrête, non, c'est bon, allez, ça y est. Elle va pas nous la faire à chaque fois. Et en plus, j'ai refait comme la dernière fois, j'ai montré avant la caméra ce que j'allais faire. Il a dit ciseaux, il a dit feuille. Non, attends, je demande à l'arbitre. Ah, il a dit ciseaux, bah j'ai gagné, qu'est-ce que vous m'embêtez? Donc, double palier. Ouais, mais tu l'as dit un peu en retard, mais bon. T'as dit vraiment en retard. Bah toi, tu l'as dit en retard tout à l'heure aussi, t'as rien dit du tout. Parce que tu perdais. Oui, non, mais sauf que j'avais gagné. Genre, c'est, si j'avais dit ciseaux et que t'avais dit feuille, j'aurais non, mais gagné. Vas-y, bon. C'est bon, on se prend pas la tête, les gars. Non, mais c'est bon, ils vont la faire à chaque fois, tu mérites un triple malus. Allez, je prends mon double palier bien mérité et je remonte ta date tout doucement. Je fais comme je peux. Non, mais t'as raison. Allez. Ok, attends, mais cette map là. Ah oui, c'est vrai qu'on a joué tout à l'heure dessus. Ok, ils sont où les gens là? Il n'y en a pas un là-bas? Non. Allez, go. Attends, oh, t'as plein de ce tir, BFA? T'es beau? C'était oh beau, oui, je le sais pas, je vois pas. Oh là là. Le bar tabac qui t'arrive. Attends. Peut-être récupérer des. Je sais pas si c'est les gemmes, ça compte un peu. Je sais pas. Ça compte, mais vraiment. Je sais pas si ça compte vraiment négligeable ou si c'est value. Par contre, je vais essayer de pas mourir quand même. Allez, ah, mais il est chaud hein, avec son bar tabac. Ouais, non, je vais gagner. Là vraiment. Oh non, c'était plus dépêché. En fait, faut le laisser devant. Faut pas que tu vas. Faut le laisser le devant prendre des coups un peu là, parce qu'il est fragile. Mais j'ai plus de portée que vous, sauf ricochet. Ah mince, c'est barré au moment où j'ai ulti l'autre. Oh non. Non. Moi aussi, je suis mort. Ok. Vaudrait mieux qu'il gagne pas l'équipe adverse quand même. Hein. Je sais pas ce que le random, ce que ça va donner. Hein. Vaut mieux qu'on gagne vraiment. Ah, le wifi aussi. Non, moi, j'ai envie de tenter la random. Le wifi qui se. Mais pourtant, je suis en 4G. Regarde, il troll en fait. Laissez-nous gagner. Non, mais, attends, mais il faut prendre des gemmes un peu. Attends, il va venir. Jackie va venir. Quoi, comment la plaque a pas fait de dégâts? Mais je fais pas de dégâts moi en fait. Oh, je suis trop nul, mec. Tué, là. Non, mais en vrai, là, c'est. Ça me fait mal au cœur à dire, mais je crois que la Rod il la mérite. Attends, c'est. Ah, non, mais attends. Ouais, faut que je tue Jackie en vrai. Ok. C'est bon.
Oh. Ouais, on va tuer Jackie parce que je suis curieux de voir quand même qui va. Ouais, mais je pense que c'est Blaron. Non, en vrai, il a fait beaucoup de dégâts. Hein. J'espère c'est ouais. Moi. Là, je mérite quand même. Finalement, Bartama, c'était peut-être pas le meilleur choix. Bartama, hein. C'est incroyable en vrai. Il est trop fort, Blaron, dessus, je te dis. Hein. Le dynamite, c'est con, le ricochet. Ils ont pris toutes les gemmes là. Non, d'accord, avec ton ricochet, faut que tu fasses le taf. Ah, vous voulez tenter de vous reconnecter. Oh, oui. Mais pourquoi j'ai. Mais c'est quoi ces trucs de connexion là? Mais je te jure! Mais c'est la Jackie, la Jackie! Mais mec, je suis mort en plus! Oh là, vas-y, mais. Oh non, vous êtes témoin! Non, vraiment, vous êtes témoin! Si je gagne pas! Mais mec, c'est dur hein! Oh c'est les gars, non, c'est horrible! Alors, si je gagne pas. Le problème, c'est que c'est le star player! Alors, qui va être star player? Attention, c'est par rapport à l'écran de fin! Du coup, c'est le numéro 1! Et du coup, c'est Farce qui prend le double palier! Oh non, c'est tellement injuste! Bah, c'est. Yes, c'est la Jackie d'en face qui, pour moi, et Farce qui est à ma gauche, donc du coup, c'est. Oh! C'est peut-être un palier tombé du ciel. Bah celui-là il est déjà t'as un double qui tombe du ciel là, parce que ça s'appelle tomber du ciel frérot. Ok non, bon du c'est coup t'es qualifié. Non en fait Cameron c'est pas un palier ça, c'est une qualif hein. Ah mais oui ah, merde. Ouais, parce que Bartaba vous m'avez mis le malus et j'ai perdu la game. Bon y'a rien de legit dans cette série. Attends. Y'a rien de legit dans cette série. Mais non mais t'inquiète Blarod, je vais te laisser tranquille. Vas-y, laisse-le dans la galère là-bas. Je suis déjà mort, yes. Ouais, je suis attends, il est tout. Oh là là, non. Non, mais je suis de. Vas-y, Vas-y, BFA. Oh non. Attends, faut faire du dégât sur le coffre. Faire des dégâts sur le coffre. Je les ai bloqués, BFA. Ok. Non, mais là, il y a un portable qui me saoule en face. Laisse pas passer Blarod. Allez. Ah, il fait du dégât, Blarod. Attends, laissez-moi faire du dégât. Allez, il faut qu'il te focus, c'est sûr, tu fais trop de dégâts. Oh là là là, il en a fait trop, c'est dur. C'est tendu. Ah, il passe, il en a fait un peu plus. T'es un scandale. T'es nul. Mais j'ai mis du dégât, mais j'avais pas du tout. Non, mais t'es nul, c'est bon. Là. Ouais, j'aurais dû tuer sur les gens. Bien joué. Blarod, du coup, qui se qualifie double. Alors, du coup, attendez, c'est pas facile. Là, on vient de faire la double qualif, donc là, vous allez vous retrouver et ça va être sympathique. Et là, j'ai hâte de vous spectate un peu. C'est que là, maintenant, ils se retrouvent en finale duo showdown. Mais attention, je me casse. Vous êtes en mode zombie. Vous n'avez pas le droit de tirer sur les adversaires. Vous avez juste le droit de prendre les caisses. Si vous faites il faut top 3, qu'on fasse top 2, quoi. Deux paliers. Même un top 3, ça vous offre deux paliers chacun. D'accord, en mode normal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un palier, mais c'est x2, donc c'est deux paliers. Si vous faites top 2, vous allez avoir 4 paliers. Si vous faites top 1, 6 paliers. Tiens, non, mais tu peux pas tirer sur les gens, c'est pas grave. Tu peux pas juste tirer faut sur les gens. Faut éviter le mid. Go, allez, go, c'est go, parti, go. On va regarder Farsou. Déjà, enfin, les deux, de toute façon, ils sont en duo. Allez, c'est parti. Laissez-moi voir là, cette game. Faut juste camper. Donc là. Et ouais, donc là, il faut survivre. Hein. Donc là, ils doivent survivre, donc c'est intéressant. Voilà, ils prennent les caisses, ils ont le droit de prendre les caisses, tirer sur les caisses, ils n'ont pas le droit de tirer sur l'adversaire, c'est en duo, c'est quand même très compliqué. J'ai hâte de voir quelle performance ils peuvent faire. Donc faut vraiment. Comme c'est une épreuve difficile, du coup le top 3 elle sera récompensée. Nanana. Ok. Donc Farsou qui. Ok. Ah c'est pas mal en plus comme map pour se cacher ça. Ah super, je me suis fait. Non, pardon, c'est pas fort, c'est. Par contre, je suis encerclé de les deux. Attendez, oula, là par contre, il y a une surprise. Oh, bien joué ça, le move farce, de farce ici. Farce, je vais mourir, hein. Farce, je vais mourir. Ah ouais, je oh là là, il est pris par les deux sur lui. Bah, tu peux faire ton gadget, non? Ouais, mais farce, marque pas. Oh là là, ah, t'as tiré sur l'ours. D'où tu tires sur l'ours? Non, mais. On a le droit, c'est. Tricherie, mais non, tu triches pas, non, on a pas le droit de tirer sur l'ours, non. On n'a pas à tirer sur l'adversaire, hein, c'est pas un robot là. Hein. Quoique. Ok, donc moi je dis malus Blarod déjà parce qu'il y a des tricheries. Non, mais on a le droit de tirer sur. Non, t'as pas le droit de tirer sur. Non, tu n'as le droit de tirer que sur les boîtes. Bah non. Bah si, je te le dis, c'est moi qui écris les règles. Sur cet épisode, hein. Il y a marqué on n'a pas le droit de tirer, t'es en mode zombie. Hein. Oulala, farce. Ouh farce qui tombe. Oulala, le top 4. Blarod qui n'est pas perçu. Eh, c'est intéressant parce que moi je vois où ils sont là les gens là. Oh là là. Alors c'est vrai qu'il y a un décalage, certes. Oh merde. Par rapport à ce que je vois, ce que vous voyez, je sais pas ce que je vous ai mis à l'écran, si je vous ai mis mon. Ouh là là, il y a du monde hein. Oh, peut-être le top 3 là. Oh, top 3, top 3. Il y a une balle de top 3 là. Deux paliers le top déjà. 3. Bien joué, déjà deux paliers de gagné. Des... Oh, il y a même une balle de top 2, top 1 là. Je pense. Ah, c'est intéressant là. C'est vraiment intéressant de voir l'histoire. Oh, purée, c'est chaud. Mélanie, t'es un regen pas. Ok. Oh oui.
Oh oui, top 2 mec. Ça, elle régène pas. On va faire top 2. Oh là là, ça se fight ici. Oh là là, il y a une balle de 4 paliers là. Il y a bientôt, il y a balle. Comment tu l'as balancé? Eh bien joué ça. Non, mais déjà, paliers, les copains, c'est énorme. La blarotte, du coup, t'as fini Brolanta ou quoi là? Non, je suis 54. Mais Farce, il est 52. Écoutez, c'est bien joué. Vous avez fini la game ou pas? Oui, je pense que c'est fini. Ouais. Bien joué. Du coup, récapitulatif avant qu'on passe à l'opening des. Dites-moi à peu près où vous en êtes. Donc 54 gars, pour Blarod, c'est ça? Grande nouvelle, j'ai un palier qui tombe du ciel. Je suis à 42. Alors 54 pour Blarod qui est vraiment très proche à 6 paliers donc du Brolanta d'or. Farce, t'es à combien? Ouais. Et là, je dois en prendre 4, t'as dit? T'es à combien, Farce? Ouais, tu peux en prendre 4. Là, j'en prends 4 là. Oui, tu as combien, s'il te plaît? J'aimerais bien savoir. Bah, 53. Oh, t'es juste derrière, hein. Ah, t'es au coude à coude, alors. Avec les paliers tombés pas du tout. Ah ouais, c'est très intéressant. Là, il y a quelque chose qui se passe. Pendant ce temps-là, on commence l'opening avec la grosse boîte ici. Bim. On va prendre les points de pouvoir. Je pense que ces points de pouvoir, je vais les mettre sur le coreback. Et on essaiera de jouer le coreback la prochaine fois. C'est vrai qu'on n'a pas joué beaucoup. Ok, on n'a rien ici. On va aller dans le magasin. On va récupérer la boîte gratuite. Voilà. Hein. Et rien du tout. On continue. Est-ce qu'on veut des nouveaux brawlers? Pas forcément, mais on veut bien peut-être des star power ou quelque chose. Donc on va aller regarder aussi s'il y a quelque chose à augmenter là de spécial. Non. Ouais, lui, voilà, on va le monter maintenant. Et on est parti donc avec 100 points de pouvoir qu'on va mettre sur coreback. Allez, on va miser sur le coreback. Faudra le jouer, je sais pas quand, mais faudra le jouer. La grosse boîte ici, bim. Rien du tout. Encore 30 points qu'on met sur coreback. Allez, on mise sur le coreback. Sur les points de pouvoir, 200 or ici. Tout sur coreback, les amis. Le Gaël qui va se transformer en grosse boîte. Voilà, parce que j'avais eu Gaël au tout début de la série, rappelez-vous. On continue, grosse boîte ici. Rien. Enfin, des points de pouvoir quoi. Méga boîte, attention. Un 5. 4, 3, 2, 1. Ok, ça clignote pas. Pas de sur... Pas de... Non, pas de, pas de. Émoticônes. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas joué les émoticônes. On a même pas... On n'a pas l'habitude de placer les émoticônes. Ok, rien du tout ici. Et ça paraît pas foufou pour l'instant. Enfin, c'est pas foufou si, en vrai, c'est des points de pouvoir, c'est toujours bon à prendre. Pas de gadget. Mais je sais pas si je peux avoir un gadget de quelque chose, en fait. On continue. La grosse boîte. Attention, elle a mis du temps. Oh, elle clignote. Ah, c'est quoi ça? Gadget ou pas? Et ça sera un gadget. Détonateur de poche de Penny. Ça peut être intéressant de jouer ce détonateur. Ça peut être bien. Ok. Ouais, franchement pas mal. Est-ce que je peux avoir du coup un gadget de coreback? Je vais voir si je peux monter level 7, mais je ne crois pas. On y va. Il sera... Eh non, il sera level 6, ce qui est déjà pas mal pour lui. Émoticône, plus des gemmes, plus une grosse boîte. 3, 2, 1, rien. Il prend encore des points, le coreback. La petite boîte en dessous, rien du tout. On continue. Il y a 37. Bim, rien. Attention. Et encore, mais j'ai beaucoup de boîtes en vrai, hein. Tout ce que j'avais pas ouvert la dernière fois, c'est terrible. Nouvelle émoticône, on s'en fout. Et là, je pense... Non, pas encore. Je peux pas encore passer level 7, mon coreback. J'aimerais bien... Ou double méga boîte, palier 40. Attention, le 5. Ok, point de Gaël, point de Jesse, point de Daryl qui monte. Coreback aussi qui monte encore, ça fait plaisir. Brock aussi, ça peut être intéressant de le jouer. Peut-être pour une épreuve de prime, qui sait. Et là, rien du tout sur cette méga boîte. On continue, la petite boîte. Et on va... Ouais, on va finir sur une grosse boîte, je pense. Gaël, les points de pouvoir qu'on remet à nouveau sur coreback pour passer level 7. On va le tenter du coup, on sait jamais si on peut choper dans la grosse boîte le star power. Le gadget, pardon. C'est vrai que là, il y a de la boîte à ouvrir en vrai. Ouais, j'ai pas mal de boîtes à ouvrir. Et là, et voilà, on finit comme ça. Donc, avec un gadget de Penny, qui est intéressant, et le coreback quand même bien évolué. Ainsi se finit cette vidéo, les copains. Bien sûr, la chaîne des potos en description, Farce Attaque, Blarod, pour suivre les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.